bienvenue sur le site du futur lycée de Bagneux. On est venu en famille, donc j'ai un petit garçon de 2 ans et demi et une petite de 2 mois. Et j'espère qu'ils pourront profiter d'un lycée à Bagneux et puis de ce que ça va apporter pour le reste du tissu scolaire de la ville. Pourquoi nous nous battons pour ce lycée ? Bagneux est la ville la plus jeune du sud du département. Bagneux est la ville qui a la dynamique démographique la plus importante. En tant que parents, on aimerait bien que nos enfants, surtout en hiver ou je sais pas, la nuit, soient sur la ville pour pouvoir rentrer plus facilement aussi à la maison. Ouais, en fait, je suis déjà au lycée et il est quand même assez loin. À peu près 30 minutes à pied. Les élèves, ils se disent, bon, où est-ce que je vais aller ? Je vais aller à Montrouge, je vais aller au Plessis, je vais aller à Antony, je vais perdre mes copains, je vais devoir prendre le bus, je vais devoir me lever plus tôt. Donc, il n'y a pas cet engouement, il n'y a pas cette démarche qu'un gamin qui sait qu'il y a un lycée dans sa ville va avoir pour dire, après la troisième, il y a la seconde, il y a la première, il y a la terminale, etc. L'égalité des chances aussi, plus autant que la proximité, quoi. Pourquoi aussi ? C'est parce que c'est une question d'égalité. Les enfants de Bagneux ont le droit au meilleur, comme tous les enfants, donc du sud du département. Et c'est particulièrement vrai dans les villes populaires comme les nôtres. Il y a besoin d'un lycée d'enseignement général. Donc on a fait valoir auprès de la région Île-de-France, qui est le décideur, qui peut décider de cette construction. Donc nous avons fait valoir notre projet. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant que le lycée se décide. C'est maintenant qu'on peut agir pour avoir un beau lycée. C'est surtout ça qui est important, avoir un lycée, mais aussi avoir un super lycée.